Je challenge Christophe Carati. On va parler hand, handball, et bonne cause. Ça te dit? C'est par là. Allez, le cœur et les étoiles, c'est parti. Thierry, challenge karaté, c'est la première fois ou pas? Non, pour moi je suis un habitué du challenge, même si je reviens cette année avec l'équipe de Nantes, mais je l'ai joué avec deux autres clubs déjà différents, avec Paris et avec Créteil, donc j'ai fait plusieurs fois le karaté, je connais bien ce tournoi. Au-delà du tournoi, c'est vrai aussi que c'est des rencontres humaines qu'on peut faire ici. Moi, je voulais vous poser une question un petit peu moins sérieuse. Le plus petit de vos joueurs, il fait quelle taille? Il fait 1m77. 1m73, ça passe pour vous ou pas? 1m73, ça peut passer, on sait jamais, hein, ça peut toujours passer. Hein. Combien? 1m combien? 95. Moi, je me demande si avec 1m73, je peux jouer au hand ou pas. Ouais, je pense que c'est possible. Il y a des joueurs qui sont pas très très grands et qui sont de très bons joueurs aussi, donc la taille, ça fait pas tout. Alors, t'es plus comment là? T'es plus dans vraiment le début de saison, dans le sportif ou toujours dans le petit côté plaisir ou l'allier les deux ensemble? Je pense qu'il faut et on doit allier les deux ensemble. On ne doit jamais oublier de s'amuser tout en travaillant, parce que si on ne s'amuse pas pendant qu'on travaille, on va vite s'ennuyer. Donc on ne s'interdit pas de prendre du plaisir sur le terrain. Tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Je suis en train de nettoyer ma balle qui est super crade là. Et du coup, là j'ai une toute petite boule de colle, mais là je galère un peu quoi. En fait, dans une autre vie, tu pourrais être esthéticienne. C'est un peu ça. Ouah, non, c'est pas ma passion. Bon, Laurent, ça s'est passé comment? T'es venu en local, toi, en fait, hein? T'es venu pour le match d'ouverture avec les féminines, c'est bien ça? Complètement. On a été intégrés à l'organisation du karaté, enlevé de rideau. On a participé à un match contre les Néerlandaises de Quintus. Et bon, ça t'aurait un petit peu renoué avec le karaté, parce qu'il y a quelques années, il y avait eu du handball féminin avec le karaté, donc c'était plutôt sympa. Ouais. Qui a gagné? Annonce-moi de bonnes choses quand même. Brest-Bretagne Handball a gagné contre Quintus de 10 buts, 33-23. Ouais. Et je fais comme dans la pub à la télé. Regarde Vincent, la différence c'est que nous on peut poser aussi, mais c'est pas la peine de rester figé parce que c'est pour la télé. Je vais parler alors un peu. Bon, ça s'est passé comment? C'est un peu décevant au résultat final, puisque au final on perd d'un but, on a la balle pour égaliser, aller au penalty. Après c'est que de la prépa, on a ciblé ce qui allait pas et on a aussi ciblé ce qui allait bien et on va essayer de travailler pour être au point la semaine prochaine. Hop, alors t'as eu qui? J'ai eu Vincent Gérard. Ouais. Il t'en manque un peu de Dunkerque. Nantes, tu les as quasiment tous. Non. Saint-Raphaël, il t'en manque quelques-uns aussi. Mais c'est en bonne voie, tu vas réussir. Mais j'ai pas eu celui-là. Hein? Et puis Rennes, il faut y aller. Oui. Rennes, il faut y aller. Hein. Oui. Ah non, t'es obligé. Hein. Oui. Allez, au boulot. Hop, va chercher les autographes. T'es là en tant que quoi? En tant qu'amateur de hand? Licencié du club de Pont-de-Liroise, en senior. D'accord. Donc voilà, senior et comme mon coéquipier ici, voilà. Et ici. C'est des joueurs que vous côtoyez tous les jours, vous? Ah non. Tous les jours à l'entraînement. Tous les jours à l'entraînement. Bientôt. Moi, je suis un grand fan de hand. Donc ouais. Mon dernier match, j'ai dû le regarder il y a 5 ans. Je suis désolé, ça arrive. Tu m'as l'air d'être un gars heureux, Joël, ce soir. Ouais, je crois que je peux le dire, ouais. Après avoir fait un match épique contre Dunkerque et une belle victoire, oui, je pense que je suis un mec heureux ce soir. Donc tout s'est bien passé?
Ah, je ne sais pas si tout s'est bien passé, mais en tout cas, à la fin, on a gagné. Donc, c'est vrai que c'est plutôt agréable. Et il y a aussi un peu de, le côté testostérone de s'affronter. On est un sport d'affrontement et on a besoin, à un moment donné, de... Voilà, l'entraînement, c'est bien, mais on a besoin de se confronter sur le terrain. Et voilà, c'est important de, voilà, de valider ça sur une victoire. Voilà. C'est vrai que l'aventure a duré maintenant depuis 15 ans, hein, même si c'est la 14e édition, mais c'est une aventure merveilleuse à chaque fois. On a redémarré quelque chose d'important et puis on voit que là ça accroche, les gens viennent, ils sont ce que nous on demandait, ils se sont appropriés le tournoi, donc c'est parfait. Qu'on me laisse gérer le côté caritatif et le côté hôpital et c'est parfait. Bon justement, c'est quoi ce côté hôpital? Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette histoire qui a démarré il y a 15 ans? Oui, oui, bien sûr. Bon, c'est le décès de mon fils qui était handballeur, un jeune handballeur de, donc frappé par la maladie à 20 ans, décédé à 24. Et de belles équipes françaises pour lui rendre hommage. C'est vraiment une très belle aventure parce que les gens qui sont ici, non seulement c'est des joueurs de haut niveau, c'est pour ça qu'on dit le cœur et les étoiles, parce que non en plus d'être des étoiles, ils ont vraiment un cœur énorme. Comment ça, faut dire au revoir maintenant? Ah bah non, le match n'est pas fini. Moi, je reste. Rendez-vous la semaine prochaine pour un best-of. Et si vous voulez participer à la mission, les coordonnées sont en bas. N'hésitez pas à téléphoner. À bientôt.